1984, naissance de Carolina, en même temps découverte du handicap. Les médecins nous expliquent que c'est pas notre faute, elle aurait pu naître normalement. Mais malgré tout, il y a un sentiment de culpabilité qui se met à jour. Et ce sentiment de culpabilité, on ne l'enlève pas de la tête parce qu'il est toujours présent. C'est une blessure qui se referme jamais. Voilà, elle s'ouvre très très largement de temps en temps. Et c'est comme ça qu'on devient l'aidant de sa propre fille. Voilà ma fille. Allez, on y va. Allez, je t'emmène aux toilettes, Carolina. Allez. Deuxième date importante, 1993, le cancer de mon épouse, un cancer du sein très agressif. Pendant 8 années, elle est soignée avec de la chimiothérapie, avec cette chimio qui laisse naturellement des dégâts, qui fait aussi des dégâts. Et là, vous devenez, pour la deuxième fois, aidant. L'impact familial est douloureux parce que les enfants sortent de l'adolescence, Carolina a 12 ans. Mes enfants deviennent également des aidants chaque jour, au travers de Carolina, au travers de leur maman, bien sûr. Et d'ailleurs, je les en remercie beaucoup. Rester dans son rôle de père ou de mère ou d'époux lorsqu'on a une personne handicapée et une personne malade est quasiment impossible. Le travail est immense. Notre esprit est complètement monopolisé par tout le handicap et la maladie. Donc du coup, vous n'avez plus de vie, puis vous ne pensez pas à vous, à son instant. Il est assez chaud. Oui, Carolina, il est assez chaud. Toi, regarde. De la naissance à aujourd'hui, les étapes sont nombreuses. 1. La découverte du handicap. 2. Je dirais, c'est la prise en charge par le CAMS aussi, et puis les médecins. Il y a une prise en charge médicale au travers de l'Arche, au travers pour Carolina, mais au travers du centre hospitalier aussi. Après, il y a une prise en charge administrative aussi, parce qu'il faut que le handicap soit reconnu administrativement. Il y a aussi qui nous monopolise aussi avec mon épouse, c'était essayer de comprendre ici. C'est-à-dire essayer de comprendre la maladie. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Après, on a une recherche aussi d'une solution médicale aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour notre fille? Voilà. Puis un jour, enfin, vous avez une solution neurochirurgicale, ce qui concerne Carolina. Et le suivi est lourd. Nous sommes des aidants à vie. De la période à l'enfant jusqu'à temps que l'enfant, encore aujourd'hui, pour Carolina, est adulte, mais nous sommes encore un aidant, effectivement. Donc, quand c'est l'enfance, vous êtes sollicité en permanence, la nuit, le jour, tout le temps, voilà, finalement.
Ensuite arrive la période de l'adolescence où les institutions proposent parfois quelque chose. Ils n'ont pas été très percutants. Hein. Carolina est allée quand même à un moment donné dans un centre à Hérouville-Saint-Clair pour apprendre justement, lorsque mon épouse est décédée, pour apprendre à essayer de vivre en appartement. Voilà, ça a été plutôt le point positif. Et puis un jour, l'enfant devient adulte, voilà, il suit son petit bonhomme de chemin aussi. Et puis il y a un choix d'orientation qui est cornélien, puisque qu'est-ce qu'on fait de l'adolescent qui est devenu adulte, il y a le centre, il y a d'autres solutions aussi, voilà. Carolina, donc, souhaitait effectivement aller en appartement, donc j'ai souhaité respecter son choix. Elle voulait garder toute son autonomie et donc il a fallu effectivement ensuite mettre des aides à domicile en place avec effectivement un nombre d'heures attribuées par les MDPH. Ensuite, les infirmières les mettre en place aussi et puis voilà quoi. On intervient au moins 4 fois par jour. Donc le matin, c'est pour l'aider à s'habiller, à prendre son café, fumer sa cigarette aussi. Le midi, souvent, c'est pour lui donner un yaourt. Voilà. Cigarette aussi, c'est ça, hein? L'après-midi, bah, souvent, quand elle a des sorties ou des choses de prévues, bah, on est avec elle aussi. Aussi pour l'amener aux toilettes, souvent, parce que elle a besoin d'être aidée pour ça. Et le soir, c'est yaourt aussi. Aide à la mise en pyjama. Et puis, voilà. La gastrostomie m'a impressionnée parce que c'est quand même un cas très lourd et il y en a très peu. Et je pense que c'est le seul qu'on gère. Et en fait, j'ai appris sur le terrain, clairement, parce que je connaissais pas. Et malgré tout, les dents, il est toujours là. Voilà. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce que effectivement les interventions et les aides à domicile, ils ne couvrent pas tout, ils n'interviennent pas la nuit, ils ne sont pas là tout le temps. Effectivement, il y a les fins de journée, etc. Puis il y a les week-ends où, et que vous prenez votre fille, et, comme tout le monde d'ailleurs. Donc là, vous déguisez en infirmier, en kiné, en aide à domicile. Il faut faire la toilette, il faut l'habiller, il faut effectivement donc la promener. Faut être au psychologue aussi de temps en temps. Et puis voilà, et les manipulations physiques aussi, c'est assez physique. Donc les dents, il est toujours là. Les dents, parfois, il se met en colère aussi. Il se met en colère parce que il se met en colère après la personne qui est handicapée, notamment ma fille, je me mets en colère. Mais je n'en veux pas, hein. J'en veux plutôt à son handicap. Je me mets en colère aussi après les administrations parce que j'estime aussi que tout n'est pas fait, il y a encore plein de choses à faire. Tout n'est pas pris en charge non plus, quoi, parce que je pense aussi qu'avoir un enfant handicapé aujourd'hui, c'est un luxe. C'est vraiment un luxe, parce qu'il y a toujours des frais annexes, ne serait-ce que pour les vacances ou autres. Du matériel adapté, un ordinateur, une tablette, etc. etc. Être aidant, c'est compliqué parce que toute sa vie, il faut gérer sa vie professionnelle, il faut gérer la personne handicapée. Donc, c'est pas facile. Si j'avais pas connu le handicap, peut-être que je serais un autre. Talk behind my back, you spend